24 heures dans la peau d'un millionnaire avec une AMG GTR de 585 chevaux, tu vas voir, il y a de quoi s'occuper. Ce véhicule m'a été prêté par la société Club & Drive. Club & Drive, je vous en parle deux secondes parce que le concept, franchement, il vaut le coup. C'est pas une société de location comme les autres. En fait, vous avez une adhésion annuelle, il y a plusieurs formules et vous avez surtout accès à une flotte de véhicules, dont cette magnifique AMG GTR. Il y a aussi de la Corvette C7 Grand Sport, de la Porsche 718, de la Mustang et j'en oublie. Bref, c'est vraiment le top comme concept. Ça vous permet, en fait, de changer de véhicule un peu quand vous le souhaitez. Et sachez bien que la flotte de Club & Drive, en fait, se renouvelle tous les 4 à 6 mois pour vous permettre, en fait, de profiter d'une expérience de conduite dans plusieurs types de véhicules, toujours dans le domaine du luxe et du sport. Club & Drive vont ouvrir prochainement un grand local de 500 mètres carrés qui sera entièrement dédié à l'automobile. Donc là, vraiment, je vais même fermer les clapets, je me suis mis en mode confort, comme ça on peut parler calmement sur l'autoroute, parce que ce véhicule là, en fait, peut se conduire vraiment comme un délit. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo là. On va aller chercher du pain là, d'ailleurs première chose à faire de la journée, aller chercher ses baguettes de pain avec l'AMG GTR. Donc je vous disais, Club & Drive, en fait, ils vont donc ouvrir un espace dédié à l'automobile de plus de 500 mètres carrés. Il y aura des champs thématiques, ce sera vraiment une ambiance autour de l'automobile, ça va être vraiment top. Vous allez pouvoir organiser des séminaires privés, des événements privés ou personnels. Vous pouvez, en fait, faire ce que vous voulez un petit peu dans cet espace là. Ce sera vraiment un espace de détente. Il y aura une cuisine équipée, il y aura des simulateurs, des chambres d'hôtes. Ça va vraiment être un concept hyper cool. J'ai vu les images et franchement, allez les suivre sur les réseaux parce que ça va être très très beau, les amis. Ils nous font vraiment du très très lourd. On n'est pas sur une société entre guillemets de location classique. On est vraiment sur quelque chose où tu adhères à l'année. Il y a plusieurs formules d'adhésion. Il y a même les possibilités, en fait, de paiement en crypto-monnaie. C'est tout nouveau, c'est très important. Donc je tenais à vous souligner aussi. Et en adhérant à Club & Drive, en fait, vous allez pouvoir aussi participer à différentes soirées, différents road trips qui vont être organisés par Club & Drive. Ils vous inviteront également à des soirées thématiques sur le thème de l'automobile, notamment des présentations de nouveautés en concession. Tout ça, ça fait partie, en fait, de leur package d'adhésion à leur club. Et franchement, ça vaut vraiment le coup. Bon, maintenant, il serait temps d'aller chercher quand même une petite baguette. Alors oui, je me suis dit, on va se mettre dans la peau d'un millionnaire pendant 24 heures, mais on va pas faire le millionnaire flemmard, tu vois. On va faire le millionnaire qui va chercher sa baguette. On va faire le millionnaire qui va faire ses courses. Je vais faire mes courses avec cette AMG GTR et on va voir si les courses d'une semaine, ça peut passer dans le coffre. Alors, le coffre a l'air quand même relativement grand parce que ça reste quand même une GT, donc on est censé quand même un petit peu pouvoir voyager. Et là, vous l'avez vu, on est en mode confort. Suspension nickel, petit RSI, je sais pas si on l'a vu, mais c'est beau. Passion du carpeting, désolé, elle est plus forte que tout. Start and stop, voilà. Là, on a vraiment un véhicule parfait pour l'utiliser tous les jours. Parfait, mais pas discret. Ça, vous allez voir dans la suite de la vidéo. Salut, excuse-moi, tu peux me déposer un peu plus loin. Les gens vous regardent quand même beaucoup, mais les gens apprécient ce véhicule vraiment. Bon, allez, les amis, première chose à faire de la journée, on va aller chercher nos baguettes de pain. Voilà, parce que c'est la base. On est en France. On achète des baguettes de pain. AMG GTR, logiquement, ça posera pas de problème. Alors, les courses après, on verra. Hein. Je suis un peu sceptique au niveau des courses, hein, quand même. On verra si ça rentre. Mais là, on va aller chercher nos petites baguettes tranquillement. On va aller chez nos amis de chez Marie Blacher. En plus, il y a des bonnes petites places juste devant. Nickel. On a bien entendu les caméras de recul, les bip bip, tout ce qu'il faut, ce qui nous permet de garer facilement le véhicule. Comme quoi, hein, cet AMG GTR, c'est un délit, en fait, hein, c'est un petit délit. Si on va aller chercher, hop, nos petites baguettes de pain. Alors, les gars, je vais pas prendre une baguette, je vais prendre 4 baguettes quand même. Je suis un fou, on est des millionnaires, on peut se permettre. Donc je vais chercher le pain et on va voir si ça rentre dans la voiture. A tout de suite. Le paiement sans carte, il est passé. Alors, est-ce que ça rentre dans le coffre, ça? Ouais, regarde-moi la taille du coffre, franchement. Les petites baguettes, c'est tranquille. On a bien sûr les produits pour toujours avoir un véhicule hyper propre.
Bon, le test des baguettes, c'est ok. Maintenant, je vais aller faire mes courses. Il y a Auchan juste là-haut, je vais aller faire mes courses. Là, par contre, peut-être un peu plus compliqué. On verra ça. Bon, les gars, c'est parti. Ça y est, on va aller faire les courses à Auchan, en Axou, avec la MJGT. Alors, le coffre, quand même, il a l'air franchement pas mal. Je suis assez serein. En plus, petite course d'une semaine. Je pense que ça va le faire. C'est parti. L'avantage de ce parking, c'est qu'il est quand même bien fait. Regardez. Ils ont fait des places hyper larges. Ça, c'est rare. Il faudrait vraiment que tous les supermarchés du monde fassent des places larges comme ça pour éviter le coup de portière. C'est top. Ouais, verdict easy, je pense. Easy de chez Easy. Salut Club and Drive. Ouais. Ouais. Ouah, mais tranquille, les courses, une semaine, c'est validé. Après, l'avantage de ce véhicule, en fait, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui l'apprécient. Il est très impressionnant. Les gens vous regardent systématiquement. D'ailleurs, il y a un mec qui fait de l'autostop là. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Autostop dans la forêt, il est bizarre, lui. Salut, est-ce qu'il veut que je me déposer un peu plus loin? Un peu plus loin? Ouais, un petit peu plus loin dans le bois. Ok. Ouais, merci. Bah, vas-y, monte, y'a pas de soucis. Tant qu'à faire, on va faire plaisir à ce petit jeune qui m'a l'air d'être un petit jeune passionné. Elle est magnifique, hein, putain. Elle est incroyable, hein? Ouais, vraiment. T'as vu? Ouais, bah, MGTR. Ah, connaisseur? Ah, bah oui. Ah, j'adore. Mais écoute. Bah, je vais te déposer un peu plus loin comme tu veux. Hein, bah écoute-toi, un peu plus loin par là-bas. Tu sais combien ça fait de chevaux ça? 585, je crois. Oh! Ouais, c'est beau ça. Ah, tu t'y connais vraiment alors? Ah, bah oui. Bien. Tu vois, l'avantage de ce véhicule, on peut faire aussi plaisir à de passionnés apparemment. Ah, bah oui. De vrais passionnés. Après, c'est une très belle voiture. Oui. Et comme je disais juste avant, en fait, avant que tu montes, le véhicule, quasiment, sincèrement, tout le monde le regarde. J'adore. La configuration, elle est complètement folle. Le verre, il fait tout ça. Et après, je vais te faire une petite accélération. Tu vas voir les 580 chevaux. Le 0 à 100, franchement, il est très très appréciable. Il est violent. Voilà, on a une route de forêt, frérot. Elle est exécrable, mais bon, c'est pas grave. Le 0 à 100 est très sympa. Très très sympa. Alors là, la route est un peu grasse, etc. On va pas trop plus déconnecter les dettes. Hein, on n'est pas là pour faire les fifous. Mais tu vas voir, c'est vraiment un véhicule plaisir. On peut vraiment se faire plaisir. Et là, tu vois, on roule. Normal, ouais, bah oui, normal, ça reste confort, tu vois, ça reste confort. Ouais. Et là, on va mettre un petit peu plus au plancher quand même. Vas-y. Un petit peu, mais allez. Pas trop. Okay, c'est parti, allez, let's go. T'entends les retours là? Là, c'est violent, oui. Là, c'est violent. C'est beau, hein? Ouais, oh, j'adore. C'est incroyable. C'est un V8. Ah oui, V8, voilà. Turbo. Alors, c'est phase 1 des AMG GT-R, ça. Okay. Hein. Donc, c'est celle qui a la meilleure sonorité. On va entre-ouvrir un tout petit peu les fenêtres, tu vois. Et je vais te refaire encore une petite accélération. Cette fois-ci, je vais la mettre avec les palettes au volant, donc en mode manuel. Mais là, on s'amusera un peu plus au niveau des retours. Tu vas voir, ça va être relativement cool. Genre, regarde, là, si je lâche. Elle l'a pas fait. Attends, on recommence. Si je lâche. C'est bon, hein? Oh, c'est violent, putain. Et là, regarde, rétrograde. Mitraillette. Oh, c'est la pétarade. C'est beau, hein? Oh, c'est incroyable. C'est très très beau. Bonjour! Non. Tu refais juste un passage. Encore un passage? Et puis tu pourras rentrer. Ok, alors je vous refais un passage, ça marche. Ça marche. On rencontre même des passionnés en forêt. C'est écoute, hein, c'est incroyable, c'est incroyable. Bon, toi, je vais peut-être t'en déposer? Ouais, bah écoute, vas-y. Vas-y. Mais du coup, tu. Un peu plus loin dans le bois par là. Ouais, par là-bas, là. Et tu fais quoi dans les bois, toi? De quoi? Quoi? Dans les. Non, rien. Mais en tout cas, merci pour le tour, c'était super. Merci, c'était super cool. À la prochaine, hein. Salut. Salut. Mais t'es chelou, lui. Bon, bah, les amis, je viens de déposer le jeune homme bizarre. Alors, à la demande des messieurs de la famille que j'ai trouvé là-bas en forêt qui m'ont demandé de refaire un passage devant eux, je vais refaire un passage devant eux sportif parce qu'apparemment ils ont apprécié. Alors, je vais la mettre. En mode automatique, on va laisser ça tranquillement. Là, ils sont là-bas, ils sont tous en train de filmer. On va leur faire un petit plaisir. On va
faire une petite accélération, j'espère qu'ils vont kiffer. C'est une fusée. Et la sonorité, comme je vous l'ai dit, elle fait tout sur ce véhicule. Elle fait vraiment, vraiment tout. Vous n'avez pas besoin de rouler très vite pour vous faire un plaisir avec la sonorité de ce véhicule. C'est vraiment incroyable. Donc là, les amis, dans cette vidéo, en fait, je ne vais pas vous présenter en long et en large ce véhicule. Vous le connaissez par cœur. Ça a été, et ça l'est toujours, une des reines en performance sur le Nürburgring. En plus, dans cette couleur-là, elle est vraiment incroyable. On va faire le tour quand même ensemble du véhicule extérieur et vous allez voir la bestialité de la voiture, c'est juste magnifique. Et je voulais surtout vous montrer en fait la polyvalence de ce véhicule là, comme quoi en 24 heures vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez avec. Vous avez la partie plaisir de conduite, vous avez le plaisir d'être dans un beau véhicule avec une sonorité vraiment magistrale. Donc ça en fait c'est les versions phase 1 des AMG GT, hein. Donc pour moi c'est les meilleurs. Pourquoi c'est les meilleurs? Alors peut-être vous n'avez pas le compteur digitaux, mais par contre elles ont une sonorité, je vais la mettre en manuel. Je vais juste rétrograder, vous allez comprendre, regardez. Écoutez. C'est tout. Voilà. Il y a même pas, j'ai même pas à me justifier. Juste ça, la sonorité là. T'as pas besoin de rouler vite, tu peux te faire plaisir avec ce véhicule là. C'est ça qui est magique avec cette formule chez Club & Drive et aussi avec cette AMG GTR. Donc moi, ce que j'adore vraiment sur l'AMG GTR, c'est cette face avant hyper agressive. On la différencie très clairement d'une AMG GT classique, hein, de par ce gros pare-choc à l'avant très massif, les grilles spécifiques qu'on retrouve aussi sur les nouvelles AMG GTS. Mais là c'était vraiment les premières, la Panamericana je crois, cette calandre, elle est vraiment sublime. Et cette couleur pour moi c'est peut-être la couleur favorite, la meilleure couleur possible pour l'AMG GTR. En fait c'est tout simplement sa couleur de présentation. Quand elle a été au Nürburgring en fait elle a été présentée et testée sur cette couleur là, l'enfer vert, le nom du Nürburgring. Vous le retrouvez ici sur cette couleur qui est juste incroyable. Et moi ce que je kiffe le plus sur ce véhicule c'est l'arrière. Alors vous m'excuserez les gars pour ma voix parce que j'ai le nez bouché. J'ai chopé une crève juste avant le tournage donc franchement j'ai une voix dégueulasse, franchement désolé à vous. Mais bon, regardez-moi cet arrière, moi ce que j'adore, grosse différence, bah déjà c'est cet aileron qui est quand même super bon. Alors c'est pas l'aileron de la Black Series, c'est sûr, mais là je le trouve vraiment magnifique, aileron en carbone. Tout le diffuseur arrière aussi est spécifique à la GTR, et notamment cette grosse sortie d'échappement centrale qui fait une sonorité incroyable. Et en parlant de sonorité, ce que je vous propose tout de suite les amis, c'est que je vais la démarrer, vous faire quelques rupteurs, et vous allez voir, c'est pépite. Les AMG GTR en phase 1, aucun FAP, je peux vous dire, c'est vraiment, vraiment pépite. Écoutez ça. Alors, pour bien terminer 24 heures dans la peau d'un millionnaire, quoi de mieux que de participer à un magnifique rassemblement, peut-être le meilleur rassemblement de France, le rassemblement Grand Test Supercar. J'ai posé la AMG GT de Club & Drive juste derrière moi. Alors, je tiens vraiment à les remercier pour m'avoir prêté ce véhicule-là pendant ces 24 heures. Et maintenant, ce que je vous propose, les amis, excusez-moi, je suis encore un petit peu malade, mais ce que je vous propose, c'est que vous allez avoir de très belles images faites par Roary Media du rassemblement GES. On va se terminer comme ça avec, allez, 30 secondes de vidéo du rassemblement GS ou plus. Tu pourras faire plus toi derrière ? On va essayer. Il fera plus, allez, plus que ça. Allez, let's go. Ciao les gars.